On l'a eu, on l'a eu. Le prochain, il est là. Ses culottes sont-tu montées? Oui. T'es-tu drôle, toi? Arrête! Quoi? Voyons donc, il est là puis il a hâte depuis tantôt, là. On va attendre avant de le monter. Il est en train de baisser ses culottes pour vrai. Ben, assis-toi, là. Assis-toi, on va être obligé d'en prendre un autre. Comment ça va? Non, pas. Il y a des enfants encore à cet âge-là, mais on veut pas leur faire peur. Comment ça va, toi? Ça va bien? Ah ouais, ça va super. Yes. Très content de faire partie du live. Ben écoute, on veut chasser pêche. On veut vous mettre de l'avant. On veut vous mettre de l'avant que le monde aille. Le clown is here, qu'a dit. Joanie a dit le clown is here. C'est vraiment apprécié de pouvoir avoir un push de vous autres. Là. Je suis extrêmement reconnaissant de ça. Puis merci beaucoup. Ben, c'est nous autres qui reconnaissons que tu fasses du contenu comme ça, justement, pour partager la communauté de chasseurs-pêcheurs. Oui. Ben, pour les gens qui te connaissent moins un peu, parle-moi un peu de toi, ton parcours. Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu justement un créateur de contenu? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es mis à filmer justement ce que tu faisais comme sortie? OK, mais regarde-moi, là, j'ai commencé, là, c'est... Ça n'a aucun rapport dans la chasse. Là. J'étais snowboarder professionnel. Je faisais du snowboard, puis tout le monde me suivait. Ben, pas tout le monde, là, mais les caméramans là, me suivaient pour me faire des vidéos là, de moi. Là, puis, tu sais, j'aimais ça regarder après qu'est-ce que je faisais comme move, là, comme truc là, dans les airs. Puis, j'ai eu un accident. Je me suis cassé le sternum, puis ma carrière. Snowboarder professionnel sur un rail, là, une rampe, là, tombé sur le sternum, puis ma carrière s'est terminée là. Mais j'ai commencé à la chasse à l'âge de 8 ans avec mon père, puis je ne tuais pas des chevrins, mais j'allais à la chasse avec mon père au lièvre, des enfants de mer. Fait que je me suis dit, je vais reprendre ma passion que j'avais de me filmer, mettons, tu sais. Puis je vais faire des vidéos de chasse, tu sais, avec... J'ai toujours chassé, là, tu sais, à travers mon snowboard, là, tu sais. Le snowboard vient après la chasse. Ça fait bien pour chasser le lagopède. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai commencé à filmer. Je me suis acheté une petite GoPro. Ben, c'était pas une GoPro dans le temps, c'était une... En tout cas, une autre marque, là. Je me souviens plus c'est quoi la marque, là. Puis... J'ai commencé à faire des films, puis là, le monde me textait. Je mettais ça sur YouTube. Le monde me textait, puis il me disait, tu sais, il commençait à me parler. Je connaissais pas ça, c'était un monde-là. Je savais même pas c'était quoi une chaîne YouTube. Je voulais juste, comme, mettre mes vidéos de chasse à quelque part que ça beau pas mon ordi, tu sais. Puis là. Question de déloader. Je me cherchais un disque dur externe. YouTube était moins cher. J'ai mis ça là, puis le monde a trouvé mes vidéos. Je pense à la meilleure à soir. Je te jure, c'est ça. Je te jure. Puis là, ça a commencé à monter ma chaîne, tu sais. Puis là, un moment donné, tu sais, je tuais des animaux. Là, il y a un de mes followers qui m'a. Ben, je me souviens plus de son autre famille, mais c'est sûr qu'il va se replacer là-dedans. Il a dit, tu devrais faire des vidéos de cuisine, tu sais, des recettes. Fait que là, et c'est là que... Le cook est arrivé. Le chef est embarqué. Le chef Benny est né. C'est ça, man, sur Amazon, ça va coûter à peu près 15$. Puis quand c'est arrivé, là, par la porte, ça fait ding-dong. Je suis devenu un chef. J'étais un genre... Je vous le promets à tout le monde, là, j'aime même pas ça faire de la bouffe. Mais là. Là, t'as pas le choix. J'aime pas ça. Là, toi, là, je capote. Je trippe bien raide. J'adore ça. C'est comme une de mes nouvelles passions, faire de la bouffe. Puis, ben, c'est vraiment nice, pareil. C'est un des côtés qui est oublié de la chasse. Oui, l'utilisation de notre venaison, tu sais. Puis tout ce qu'on peut faire. Parce que malheureusement, il y a trop de monde qui ont été initiés à la viande de gibier. Avec un chevreuil, un vieux boc full rut, territoire québécois, trop cuit dans le beurre et du sel et du poivre. Goûte le sapin, pas mal. C'est ça. Non, mais moi, là, qu'est-ce qui m'a fait de quoi, là, en dedans de moi, là, c'est quand que j'ai entendu la recette de la roche avec de l'outarde. Sérieusement, là, je veux pas être. Je veux pas dire des mauvais mots, mais ça m'a fait chier. Ça m'a fait.
Je trouve ça plate. Je trouve ça triste pour l'outarde. Tu sais, je voyais le monde qui tuait des outardes, ils mettaient ça dans le congélateur, puis ils allaient sécher là. Puis c'est fini, un moment donné, puis bon, insecte, ça fait 6 mois qu'il est là, dans le congélateur. Là, j'ai trouvé une recette de malade à l'outarde. En tout cas, je pense qu'elle est très bonne, ma recette d'outarde, sur ma chaîne YouTube, là. C'est une de mes meilleures recettes. Puis il faut absolument sauver les cuisses, là. C'est les cuisses qui est le meilleur. Donc, le monde, faudrait que vous récoltiez vos cuisses aussi, pas juste les poitrines. Oui, souvent, c'est malheureusement quelque chose qu'on voyait beaucoup, hein. Les gens ne prenaient pas les cuisses, mais tu sais, dans le fond, faire l'utilisation optimale de son gibier, c'est ça que tu fais un peu, en utilisant chacune des parties, puis en les cuisinant, puis en les mettant en valeur. Fait que ça, c'est ce qu'on peut voir aussi sur justement ton onglet de créateur de contenu sur Aventure Chasse-Pêche. Ben là, j'ai un petit peu de la misère à mettre mes vidéos sur votre onglet de chasse et pêche, là, aventure chasse et pêche. Mais j'ai parlé à Marcello, le beau Marcello. Il a commencé à m'expliquer un petit peu comment mettre mes vidéos. Parce que moi, je suis rendu à 105 vidéos sur YouTube, tu sais. C'est pas pire, tu sais. Puis là, je pense que vous en avez mis 7-8, là. J'aimais bien ça quand vous les mettiez. Ben écoute, C'était plus simple. justement, on a un je suis là, Ben, de la part de Régis, là, qui dit je suis là, je vais t'aider, Ça, c'est Monk que tu là. vois dans le soutien créateur de contenu. J'apprécie votre aide, j'apprécie beaucoup votre support, puis c'est excellent. En tout cas, pour moi, là, vous êtes vraiment hot. Vous êtes vraiment hot, là. Ben merci, c'est fin. Ben, c'est nous autres. Nous autres, on peut dire que c'est toi qui es hot, là, parce que c'est toi qui fais du contenu en ce moment. Fait que c'est toi qui es hot. Non, mais je le sais. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai toujours voulu aider les nouveaux. Tu sais, les nouveaux, là, YouTubers, là, Oui. j'ai toujours voulu les encourager. Puis là, je les écris des petits messages, tu sais, sur YouTube, là, je parle. Tu sais, tu les encourages. Fait que là, l'algorithme, il te pompe, il te montre, là, tu sais. Il faut qu'on écrive des beaux vidéos, on like, puis qu'on fait toutes des affaires en même. Ça va aider les YouTubers québécois Ben, de c'est vrai. combien, tu sais. Non, Moi, c'est vrai. Ça, il a raison. Là. Ça, souvent, on oublie ça. Hein. On va visionner une vidéo sur YouTube ou peu importe quelle plateforme, même sur le laissez site un web. like. Laissez un like, laissez un commentaire. Puis, Coûte s'il vous rien. plaît, faites donc des commentaires constructifs. On est tous prêts, quand on s'expose à la caméra, à prendre des commentaires. Des vacheries ou des commentaires qui ne sont pas opportuns, qui ne sont pas nécessaires, passez droit. Mais des commentaires constructifs pour s'améliorer, ça, on est toujours prêt à en prendre parce que ça peut nous ouvrir des nouvelles portes, puis des nouvelles idées, puis des nouvelles avenues, comme tu es arrivé avec ton histoire de chef tantôt. Fait que je veux dire, il faut à un moment donné, justement, être capable de donner ces commentaires-là pour pouvoir les encourager. Puis justement, si on veut encourager Ben, on fait quoi? Mais on va voter pour lui. On va voter pour lui sur la plateforme. Mes Hey, by the way. vidéos sur YouTube, vous allez capoter. Tu te filmes avec quoi, hein? Avec qu'est-ce que tu prends comme matériel pour te filmer? iPhone, C'est le j'ai un meilleur exemple. iPhone Mais oui. 13 Pro, j'ai un iPhone 13 Pro, j'ai deux GoPro, la GoPro 10, la GoPro 7, mais la 7, je m'en sers moins, elle est moins haute qualité. J'ai un autre Canon, une petite Canon là, que je mets de côté là, dans mes vidéos. Ben, c'est tout. Il faut que tout le monde comprenne. Il y a des équipes de tournage, mais c'est tout moi qui fais tout, moi tout seul. Là, t'sais. Le C'est montage, juste de dire ça se fait, vidéo, là. hein? C'est juste de dire ça se fait. Tu prends quoi comme logiciel de montage? Merci Merci d'avoir monté les vidéos. de poser une question piège, Bourgette, là. T'es-tu avec Adobe Premiere? T'es-tu avec DaVinci? Non Sérieux, plus? je m'en souviens pas pantoute, je vais te le retexter tantôt. Mais C'est sérieux, bon. je m'en souviens pas là, du nom, là. Non, mais c'est correct. Ben, tu sais, il y en a tellement aujourd'hui là, il écrit Windows. Hein? L'autre, il écrit Windows. Ben, Windows Movie Maker, là, il y en a en tabarouette qui ont monté de la vidéo pendant Ben un oui. bon bout de temps avec ça, puis Ben no one. moi, là, j'ai commencé, là, si vous checkez mes vidéos, là, au début, là, c'était avec le iMovie, man. Ben Ah oui, oui. ben oui. C'est mon iPhone. Ben oui. À un moment donné, j'ai tombé avec l'iMovie, mais sur le laptop d'iMovie, de iMovie, de l'Apple.
Mais là, je me souviens plus, man. Comment ça que. En tout cas. Peut-être. Tu nous le renverras, Ben. C'est pas grave. L'essentiel, c'est de démontrer, tu démontres encore une fois qu'un gars peut partir dans le bois avec ses caméras, en les positionnant, puis des fois, pas des caméras de broadcast à 6000 pieds à chaque. Non. Tu peux te placer les caméras puis te filmer toi-même, ça a l'air d'une équipe de tournage. Et voilà, man, regarde, le but là-dedans, là, tu sais quoi? C'est de se faire du fun. Moi, exact. J'ai toujours dit ça, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de, regarde, moi, je suis hot, ici, puis ça, on s'en va s'amuser. Puis là, un coup qu'on s'amuse, tout se fait seul, man. Et voilà. T'as bien raison. Et voilà. Moi, je capote, tu sais. En tout cas, je capote. Eh bien, on va te remercier. Merci. On va dire de continuer. Oui, tu sais, dans ma vie. Puis, regarde, j'ai eu un accident aussi de chasse. T'es tombé dans le stand. Il y a beaucoup de monde qui a eu cet accident-là. Puis, c'est extrêmement triste pour eux. Mais ils sont paraplégiques. Puis moi... Je suis correct, j'ai réussi à passer à travers, à remonter ça, puis j'étais extrêmement content. Puis, attachez-vous dans vos tree stands, tabarouette. Attachez-vous. Ça, c'est extrêmement important. Allez même pas dans un tree stand. Regarde, tu sais, je veux pas parler contre ça. Achetez-vous des tree stands, il n'y a pas de trouble, mais une tente. T'es déjà à terre. Ouais. Puis regarde, moi, et on dirait que je suis plus de chevreuil depuis que je suis dans une tente. Je suis à terre. Tu trouves juste la vitre en avant, là, tu sais. La vitre, pas la vitre, là, mais la toile en avant. La toile, là, la fenêtre. Complet, là, juste en avant. Fait qu'il n'y a pas de circulation d'air. Il y a un canard, ça en vient sur toi, man. Pardon? Il y a un canard, ça en vient sur toi. C'est pas Hey Ben, faut faire monter d'autres créateurs. Merci. Il n'y a pas de trouble. Pas de trouble. On pourrait faire une émission de 8 heures avec ça. Allez, votez pour Ben, gang. Salut. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. 100%. Puis Kate, t'es belle en tabarouette. Oh. T'as le droit. C'est légal. Salut, bonne soirée.